Explosion, du latin plodo, qui a aussi donné applaudissement. Et oui, la science de l'explosion, elle a fait des progrès absolument incroyables dans les 300 dernières années. Pensez, on est passé de la poudre noire qui encrassait les canons, à la poudre sans fumée, la nitrocellulose, qui elle, au contraire, permettait d'utiliser davantage de puissance de feu et surtout d'avoir des armes automatiques, d'avoir des cycles parce qu'on n'encrassait pas le canon. Vers la même époque, on a la nitroglycérine, très instable, et puis on a un petit génie qui s'appelle Nobel, qui comprend que en faisant absorber une certaine terre de diatomée, une terre fossile composée de diatomée compressée et qu'on appelle en allemand le Kieselgur, eh bien, il va pouvoir stabiliser la nitroglycérine. Et ce mélange d'un Kieselgur qui peut prendre 70% de sa masse en nitroglycérine et de nitroglycérine pure, ce simple mélange va être breveté sous le nom de dynamite et va permettre à Monsieur Nobel de devenir considérablement riche. Et comme un jour, d'ailleurs, un journal publiera une nécrologie anticipée de Nobel alors qu'il était bien vivant et qu'il verra, bien sûr, qu'on le présentait comme un marchand de mort d'une façon relativement légitime, Nobel décidera de redorer son blason en créant les prix qui portent aujourd'hui son nom et qui sont, comme chacun le sait, très hautement politisés. Pensez juste que Barack Obama a eu le prix Nobel de la paix alors que c'est le plus grand assassin par drone de tous les temps. Mais je m'écarte. Explosion, applaudissements vers l'extérieur. Applause en anglais, qui vient donc aussi du latin plodo. Et les technologies d'explosion n'ont fait que s'améliorer depuis Nobel. Ensuite, on a eu le TNT ou trinitrotoluène, qui aujourd'hui est le maître étalon de toutes les explosions, puisque les bombes atomiques sont mesurées en équivalent TNT. Et quand on vous dit que la bombe d'Hiroshima était de l'ordre de 15 kilotonnes, ça voulait dire que la bombe d'Hiroshima avait donc une explosion de l'ordre de 15 000 tonnes de TNT. Et ça, en effet, les bombes conventionnelles ne peuvent absolument pas le faire. La Mother of All Bombs ou le Father of All Bombs, la réponse russe qui est trois fois plus puissante, sont absolument pas capables de vous faire de l'ordre du kilotonne. La Mother of All Bombs doit être de l'ordre de 17 tonnes de TNT et le Father of All Bombs doit être de l'ordre de 50 tonnes de TNT, même si les vraies informations sont confidentielles et qu'on ne peut pas le savoir absolument exactement. Et dans tout ça, eh bien, l'humanité n'a jamais été aussi proche de l'apocalypse nucléaire. On a, certes, la petite horloge nucléaire qui est vaguement indicative et qui sert simplement à nous rappeler que la catastrophe nucléaire existe, mais qui peut absolument pas nous donner une idée précise du risque nucléaire, puisque cette horloge nucléaire n'est pas du tout au courant des choses confidentielles. On sait qu'il y a eu plusieurs incidents nucléaires très graves par le passé. D'abord, on a eu, bien sûr, pendant la crise des missiles de Cuba, Vassili Arkhipov, qui a évité une attaque par une torpille nucléaire tactique de la flotte russe sur la flotte américaine. On a eu l'exercice Able Archer, dont beaucoup de gens ne se souviennent plus. Quand on nous parle aujourd'hui du risque de catastrophe nucléaire, on revient à la crise des missiles de Cuba dans les années 60, en 62, mais Able Archer, dans les années 80, était bien bien pire et bien plus risqué. Et puis même après l'effondrement de l'Union soviétique, on a été à deux doigts de la catastrophe nucléaire à plusieurs reprises, notamment d'une part par un simple tir de roquette pour étudier les aurores boréales par les scientifiques norvégiens qui avaient pourtant prévenu les Russes, mais les Russes n'avaient pas fait remonter ça jusqu'à leur chaîne de commandement, et donc Boris Yeltsin avait mis son pays en alerte nucléaire et était à deux doigts d'ordonner une riposte parce qu'il avait vu une pauvre roquette partir dans une direction qui pouvait ressembler à celle de Moscou. Et là, aujourd'hui, on rigole vraiment beaucoup moins parce que tout ce qui était en notre pouvoir a été fait pour faire chier Vladimir Poutine, absolument tout. On peut pas dire les choses autrement. D'abord, évidemment, le jour de son anniversaire, on fait sauter le pont qui relie la Crimée et on a le culot dans certains médias, évidemment du groupe Altice. Si vous voulez de la désinformation, c'est dans le groupe Altice que vous devez aller faire vos courses.
Eh bien, l'Europaltis a évidemment eu le cran de dire que c'était les Russes qui avaient fait sauter leur propre pont après avoir fait sauter leur propre pipeline. Évidemment, les Russes ont décidé de faire sauter leur propre pont qui leur a coûté des milliards. C'est tout à fait logique. Puis le jour de l'anniversaire de Vladimir Poutine, c'est d'une logique absolument imparable et implacable. Mais donc, dans le vrai monde, pas dans le monde du récit, évidemment, c'est un attentat de la CIA qui a impliqué les services ukrainiens. Les Ukrainiens d'ailleurs l'ont revendiqué, ce qui est logique, ils sont dans le rôle, puisqu'après tout, Poutine est l'ennemi, et lui infliger ce camouflet le jour de son anniversaire, c'est effectivement une frappe dont on peut se vanter. C'est vraiment les médias de désinformation français que je condamne là-dessus, parce que là, donner au peuple français qui est souverain et qui a le droit à une information de qualité, une propagande aussi stupide, c'est absolument criminel. Mais revenons donc au risque d'attaque nucléaire. Les Russes ont les meilleures technologies nucléaires au monde aujourd'hui, avec notamment les planeurs avant-garde, qui sont donc en mégatonnes, et qui peuvent réentrer dans l'atmosphère quelque part entre Mach 20 et Mach 30. Là aussi, les vraies données sont confidentielles, ne croyez pas les sources qui vous donnent ça au Mach précis, qui vous disent voilà, tac, tac, tac. Bon, il y a beaucoup de bons élèves qui aiment bien faire ce genre de trucs, mais dans la vraie vie, il y a ce qu'on appelle un brouillard de guerre. On ne peut pas savoir très exactement les données et les métriques des bombes nucléaires russes. Cependant, ce que l'on sait, c'est que les missiles balistiques intercontinentaux russes sont capables de dégager des planeurs nucléaires, cette fameuse technologie avant-garde, qui peuvent rentrer dans l'atmosphère au moins à Mach 20. Et donc Mach 20, c'est presque 7 fois plus rapide que les avions de chasse, les intercepteurs les plus rapides de l'histoire de l'aviation. Prenez par exemple les MiG-25 ou les MiG-31 qui pouvaient atteindre Mach 3, ou pour les MiG-25 dépasser Mach 3. Bah, Mach 3, c'est rien évidemment à côté de Mach 21, ou plutôt c'est 1/7 à côté de Mach 21. Ça veut dire que l'écart entre la vitesse d'un planeur nucléaire russe et un avion de chasse qui fait du Mach 3, c'est-à-dire bien plus rapide qu'un F-22, bien plus rapide qu'un F-35, bien plus rapide qu'un Rafale, est très supérieur à l'écart qu'il y a entre un piéton et un Rafale, ou même entre un piéton et un MiG-31. Donc on n'arrive pas à se rendre compte de la vitesse de ces technologies russes, et évidemment du fait qu'elles rendent la certitude d'une frappe absolument totale, avec plusieurs donc mégatonnes, pas kilotonnes. Et oui, mégatonnes, ça signifie 1000 fois plus que Hiroshima et Nagasaki. Et ça, c'est ce avec quoi on est en train de jouer, avec un président sénile d'un côté, Joe Biden, une administration fantôme, l'administration O'Biden, qui n'a donc pas été élue, mais qui au moins a le bon goût d'être intelligente. Obama est réputé être supérieurement intelligent, et donc on est tout de même assez content que ce soit lui qui est dans une situation de tension nucléaire maximale. S'occupe de la riposte américaine, ou en tout cas s'occupe de la géopolitique internationale et de la dissuasion nucléaire de l'OTAN. Cependant, les faits demeurent, tout ce qui était en notre pouvoir a été fait pour faire chier Vladimir Poutine. Et aujourd'hui, l'escalade de la riposte est absolument certaine, puisque dans leur histoire, aussi bien l'Union soviétique que la Fédération de Russie n'ont jamais laissé des attentats terroristes impunis. Que ce soit donc le sabotage des Nord Stream, parce qu'il y a eu deux sabotages, qui sont donc des actes terroristes au regard de la loi, ou le fait d'avoir fait un attentat suicide avec peut-être un missile aussi sur le pont qui relie la Crimée. Dans son histoire, aussi bien la Fédération de Russie que l'Union soviétique n'a jamais laissé ce type d'attentat impuni, ce qui signifie qu'il va y avoir des rétorsions. Alors on parle notamment de la possibilité de cyberattaques, qui seraient des rétorsions en effet très efficaces et qui permettent un déni plausible, ce qui est le plus important dans ce genre de situation, exactement comme les États-Unis revendiquent un déni plausible aussi bien du sabotage des Nord Stream que du pont. Est-ce que vous préparez un sale coup ? Comment ? Et donc, ce qui serait de plus basse intensité, ce serait des sabotages d'infrastructures, alors avec des conséquences qui pourraient être graves. Hein. Si vous avez un sabotage, par exemple, de centrales nucléaires avec un ver russe, en sachant que les Américains et les Israéliens avaient mis au point Stuxnet spécifiquement pour saboter les infrastructures nucléaires iraniennes, et Stuxnet leur a échappé partiellement puisque Stuxnet s'est retrouvé à infecter des entreprises américaines,
et à créer des dommages collatéraux aux États-Unis sans pour autant atteindre des centrales nucléaires. Mais si les Russes décidaient de saboter des centrales nucléaires de leurs ennemis, là, les répercussions pourraient être extrêmement graves et ils pourraient sans aucun problème avoir un déni plausible, même si le contrôle total de l'arme médiatique par l'axe du bien pourrait lui permettre en un coup de baguette magique de dire qui sont les gentils, qui sont les méchants. Et donc si l'axe du bien dit que ce sont les Russes, ce sera les Russes de toute façon. Mais au regard du droit international, ce qui reste assez important, je ne vais pas dire totalement important, Vladimir Poutine pourra revendiquer un certain déni plausible. Maintenant, reste à savoir si les Russes ont bien cette capacité à déployer des vers et à saper les infrastructures à ce niveau-là. Bien sûr, les Russes sont capables de provoquer des coupures de courant en Ukraine, par exemple, mais au niveau actuel de la guerre entre l'OTAN et la Russie, je ne sais absolument pas si les Russes ont la capacité, comme ça, de provoquer des infections par des vers sur des centrales nucléaires ennemies ou sur des infrastructures importantes comme des barrages hydroélectriques. Concernant les infrastructures, on sait que l'escalade avec notamment Elon Musk a provoqué déjà une vraie rage, et je peux dire rage, hein, de la part d'Elon Musk, ce qui est normal parce que Musk a été mis dans la liste des personnes à abattre par les services ukrainiens, ce qui est complètement fou parce qu'il a objectivement payé plus de 80 millions de dollars pour mettre Starlink à la disposition des Ukrainiens. Aujourd'hui, Musk revendique que ça lui a coûté, ou en tout cas à SpaceX, plus de 100 millions de dollars de mettre Starlink à la disposition des Ukrainiens. Donc il s'est vraiment engagé dans la protection de l'Ukraine, ce qui est d'autant plus logique que Musk était sur la liste des personnes à abattre par Moscou. D'abord parce qu'il est proche des services américains, ça ne fait aucun doute, même si l'administration Biden le déteste, c'est toujours plus compliqué que ça. Et effectivement, l'administration Biden ne peut pas supporter Elon Musk et a tout fait pour flinguer ses entreprises. Cependant, Musk a flingué l'industrie astronautique russe, puisque, évidemment, les lanceurs de SpaceX ont rendu les lanceurs Soyuz obsolètes, et ça a détruit plus de 350 millions de dollars de valeur dans l'industrie aéronautique russe. Donc aujourd'hui, les personnes qui ont interviewé Musk le savent. Quand on veut interviewer Musk, il y a des équipes avec des chiens, des mineurs, des gars avec des miroirs au bout d'un bâton télescopique pour vérifier qu'il n'y a pas de bombes sous les bagnoles ou sous les bureaux. Parce que, en effet, Musk était menacé par les Russes. Et bien aujourd'hui, Musk, après avoir aidé les Ukrainiens, se retrouve juste parce qu'il a tweeté qu'il voulait un processus de paix, ce qui semble assez logique somme toute, et bien a été mis sur la liste des personnes à abattre par l'Ukraine. Mais ça montre, en réalité, qu'il y a déjà des cyberguerres, puisque SpaceX a été victime de cyberattaques, et là, en l'occurrence, les services de Musk ont parmi les meilleurs moyens de cybersécurité au monde, devant BlackBerry, qui est déjà très réputé et qui avait racheté l'opérateur Cylance, qui faisait des antivirus avec de l'intelligence artificielle. Elon Musk, pour Tesla notamment, mais donc aussi pour SpaceX, est réputé avoir parmi les trois meilleurs services de cyberprotection au monde. Et donc, il y avait déjà une cyberguerre. D'ailleurs, il y a à peine 3 ans, se menait un sommet de l'OTAN en Estonie, à Tallinn, notamment au Swiss Hotel de Tallinn, qui est réputé être un nid d'espions absolu, et où dort Barack Obama, et où dort aussi Emmanuel Macron, dans des conditions assez précises. On sait que, par exemple, Emmanuel Macron ne veut pas de mangue quand il est là-bas, il veut que sa chambre soit parfaitement isolée de toute petite lumière, donc que toutes les petites lumières de téléviseurs, climatiseurs, etc. soient couvertes. Et donc ce Swiss Hotel à Tallinn, qui est un nid d'espions absolu, il a aussi des généraux de l'OTAN, et ces généraux de l'OTAN faisaient déjà des exercices, hein, sur des cyberattaques de Moscou. Donc la capacité de Moscou à frapper avec des moyens nucléaires, autant celle-là, elle est très crédible, autant la capacité de Moscou à gagner une cyberguerre face à l'OTAN, bien sûr, est beaucoup moins crédible, même si les moyens de cyberguerre des Russes sont très sérieux et sont par exemple très supérieurs à ceux de la France ou du Royaume-Uni. Mais face à une guerre avec les moyens américains comme contre-mesure, là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, dans cette escalade, que peut faire Vladimir Poutine, que peut faire la Russie ? Elle pourrait, par exemple, procéder à des essais nucléaires, tout simplement, avec le plus grand territoire mondial. La Russie pourrait décider de mener des essais nucléaires et de les faire connaître, bien entendu, donc de détonner des bombes nucléaires, mais pas dans une ère
qui est celle de la guerre froide dans les années 60, où ce sont par les agences de presse que l'information va passer. La Russie pourrait mener une détonation nucléaire de l'ordre de la mégatonne. Alors pas de 50 mégatonnes comme la Tsar Bomba détonnée en Nouvelle-Zemble, ou même les Russes avaient voulu faire une détonation de 100 mégatonnes pour marquer le coup. Mais c'était dit que c'était trop dangereux, et en effet, dans la mesure où ils ont même fait péter des fenêtres jusqu'en Finlande, et en Suède, et en Norvège aussi, dans l'espace arctique de la Norvège, les Russes ont eu raison de réduire, de brider à l'époque leurs bombes à 50 mégatonnes, mais 50 mégatonnes, ça reste la plus grosse détonation de fabrication humaine jamais réalisée sur Terre. Aujourd'hui, les Russes pourraient provoquer quelques détonations de 3-4 mégatonnes, des vraies détonations, pas simplement des tirs pour tester leur vecteur, comme les Français le faisaient par exemple. En 2010, les Français ont testé un vecteur jusqu'en Caroline du Sud, donc pour bien montrer qu'on était capable de frapper un peu où on voulait, on l'a fait, mais évidemment, c'était pas une détonation nucléaire. Bah, les Russes pourraient mener des essais nucléaires pour un petit peu montrer la situation. Bon, dans ce contexte-là, évidemment, rappelons que les services de communication de Zelensky ont immédiatement dû revenir en arrière, d'ailleurs, parce que Zelensky avait objectivement appelé à des frappes préventives sur la Russie, ce qui est évidemment une folie furieuse, mais au moins les services qui l'entourent ont montré qu'ils étaient encore capables de modération et qu'ils avaient encore la tête sur les épaules. Et ils ont dit non, pas du tout, c'est pas ça qu'on voulait dire, on parlait de rétorsion d'un autre genre, mais certainement pas d'une première frappe nucléaire. De toute façon, la Russie a une population inférieure aux États-Unis, les États-Unis ont une population et une économie très supérieure, ils ont beaucoup plus à perdre dans un duel nucléaire mondial, et ils le savent parfaitement. Et ce duel nucléaire mondial, ils ne pourront pas y échapper si jamais il se déclenche, dans le sens où les planeurs avant-garde et les vecteurs Sarmat des Russes ne permettent pas l'interception aujourd'hui, tout simplement parce que un planeur va très vite et surtout n'a pas une trajectoire balistique prévisible, n'a pas une trajectoire parabolique prévisible qui permet son interception. Il peut virer, changer de cap, son point d'impact est imprévisible. En alliant la vitesse phénoménale du missile et la capacité de manœuvre du drone, avant-garde rend les systèmes d'interception inopérants. Mais peut manœuvrer, et peut manœuvrer très vite, et ça fait évidemment que vous êtes sûr de vous en prendre une, avec non seulement une précision impeccable, mais en plus, plusieurs vecteurs et des mégatonnes de puissance de feu. On n'est plus à l'époque des bombardes ottomanes, d'après les croisades. Donc, aujourd'hui, je suis frappé par la désinvolture, en fait, avec laquelle on parle de menaces nucléaires. Je suis frappé par la stupidité d'ordre général qui, d'une part, provoque l'escalade. On fait sauter des ponts, on fait sauter des pipelines, on parle de première frappe, et puis ensuite, après, quand même, on rétropédale parce qu'il faut pas déconner, mais en même temps, on attaque la paix. C'est-à-dire, toutes les personnes qui parlent d'un processus de paix, on les attaque. Et je voudrais conclure là-dessus, en fait. Si on avait vraiment été les amis de l'Ukraine, et je veux vraiment rappeler que tous les gens qui mettent un petit drapeau ukrainien, vous savez, ce sont les nouveaux trois seringues, hein, c'est « I support the current thing ». Si les médias disent que ça c'est le bien, et ben vous allez le défendre, et puis c'est tout, parce que vous n'avez pas de cerveau. Tous les gens qui mettent un petit drapeau ukrainien, tous les gens qui se disent amis de l'Ukraine, et ben rappelons que les États-Unis ne sont pas les amis de l'Ukraine. Évidemment, certains Ukrainiens ont envie de se dire « les États-Unis sont nos amis parce qu'ils nous donnent des armes ». Ok. Mais ce sont les États-Unis qui vous ont mis dans cette merde noire in the first place, en fait. Et cette merde noire aurait pu être évitée. Les États-Unis ont traité l'Ukraine exactement comme Saddam Hussein avec le Koweït. Ils ont dit à l'Ukraine, oui, vous pouvez aller emmerder les Russes, vous pouvez aller décréter que les russophones n'auront pas les mêmes droits que les Ukrainiens ethniques. Vous pouvez faire ça et on vous protégera en cas d'invasion russe. On fera en sorte que les Russes ne puissent pas vous envahir. Et évidemment, bah, les Russes ont envahi, les Russes ont annexé. Les Russes ont utilisé la stratégie de Khrouchtchev, à savoir ce qui est à moi, et ce qui est à toi est négociable. Et donc maintenant, les Russes ont mis sous leur parapluie nucléaire des régions qui étaient ukrainiennes au regard du droit international. Et à partir du moment où elles sont sous le parapluie nucléaire russe, bah, vous avez un loquet géopolitique réel où la seule solution pour faire sortir ces régions aurait été un mouvement séparatiste inverse, mais la démographie de ces régions fait qu'un mouvement séparatiste est très très improbable. Eh bien, pour conclure, on aurait pu protéger l'Ukraine si par exemple la France avait voulu être non alignée, si la France avait été gaulliste et avait voulu ne pas prendre le parti de la Russie,
en tout cas totalement, et ne pas prendre le parti des États-Unis d'Amérique. Eh bien, la France, avec une grande diplomatie, aurait, quelque part entre 2014 et 2019, organisé le déploiement de casques bleus dans toutes les régions séparatistes du Donbass, pendant qu'elles étaient encore soumises à l'autorité légale de l'Ukraine. La France aurait déployé des casques bleus, pas avec seulement des Français, parce que la France n'a pas assez de contingents pour déployer autant de casques bleus dans le Donbass, mais elle aurait brillamment mené un consensus avec deux puissances nucléaires assez éloignées du conflit, à savoir l'Inde et le Pakistan, qui se trouvent d'ailleurs être parmi les plus gros fournisseurs de moyens humains aux forces d'interposition des Nations Unies. Le Bangladesh, le Pakistan et l'Inde sont parmi les plus grands fournisseurs de soldats aux Nations Unies pour les forces de maintien de la paix. Or, le Pakistan et l'Inde sont des puissances nucléaires d'une part, et sont antagonistes d'autre part, ce qui aurait permis un arbitrage avec donc la France comme arbitre. En ayant deux puissances nucléaires déployées dans le Donbass avec des forces d'interposition sous le leadership de la France, qui a, comme l'Inde d'ailleurs, un droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies, et bien là, en effet, le conflit aurait pu être gelé et les Russes n'auraient pas pu envahir et les droits des russophones dans le Donbass auraient pu être respectés aussi. Et bien cette solution-là, outre le fait que la Macronie n'avait absolument pas le quotient intellectuel pour l'envisager, en admettant même que la Macronie ait pu avoir le quotient intellectuel pour construire une solution de cet ordre, avec des ambassadeurs sérieux, des diplomates sérieux, on parle pas de mecs comme Gérard Araud, on parle de vrais diplomates sérieux, intelligents, créatifs, qui vont laisser une trace dans l'histoire, qui vont pas simplement essayer de mesurer des succès de librairies de gare. Eh bien, là, la France aurait pu se poser dans une politique étrangère gaulliste, sérieuse, innovante, avec un vrai leadership, et la France aurait pu décrocher des Nobel de la paix, si tant est que les Nobel de la paix eussent été, bien évidemment, neutres politiquement, mais la France aurait pu mener une action de paix qui aurait fait date dans les manuels, en prenant ce leadership et en interposant des forces des Nations Unies, en les coordonnant et en prenant ce leadership diplomatique de coordonner à la fois les Pakistanais et les Indiens pour se déployer dans la zone, ça aurait gelé le conflit. L'Ukraine aurait encore le Donbass, donc évidemment, elle serait dans une bien meilleure position que la position dans laquelle les États-Unis l'ont plongée. Et soyons clairs là-dessus, un général américain a été très très clair sur Fox News, il a dit voilà, pour à peine 63 milliards, on peut affaiblir notre ennemi, la Russie, et ce sont des Ukrainiens qui meurent, imaginez la chance que nous avons. Et c'est bien encore une fois pour ça que les Américains ne veulent pas complètement escalader le conflit nucléaire, parce que là, ce sont des Américains qui vont mourir. Mais bon, voilà, à dire oui, ce sont des Ukrainiens qui meurent, on s'en fout un peu. Je tenais vraiment à rappeler à tous ces faux culs qui vous mettent un drapeau ukrainien et qui pensent être les amis de l'Ukraine, que les vrais amis de l'Ukraine auraient, eux, mis en place un système pour que le Donbass ne soit pas envahi, aurait mis en place un système pour que des Ukrainiens ne meurent pas. Ne croyez pas que l'économie ukrainienne se porte bien, elle se porte très mal dans la mesure où ce que les Américains ont envoyé à l'Ukraine, ce sont des prêts, c'est du lend-lease, ce ne sont absolument pas des dons, l'Ukraine devra le rembourser, et comme bien entendu une partie a été détournée, c'était entièrement prévisible, eh bien l'économie ukrainienne et les classes moyennes ukrainiennes vont être absolument ravagées par cette guerre, ça c'est un fait absolu, surtout ceux qui ont investi dans l'immobilier, mais sans parler des autres conséquences sur les classes moyennes ukrainiennes, et la nation ukrainienne a perdu des régions qu'elle ne pourra pas retrouver parce qu'elles sont sous le parapluie nucléaire aujourd'hui des Russes, et c'est pour ça qu'on a une escalade nucléaire. Vraiment, je ne peux me répéter assez. Vous avez deux sortes d'amis dans votre vie, pour un État comme pour un individu. Les vrais amis sont ceux qui vous disent ce que vous devez entendre. Les faux amis sont ceux qui vous disent ce que vous voulez entendre et ceux qui vous manipulent. L'Ukraine a été manipulée par les États-Unis, elle ressort de ce conflit absolument dévasté, avec des régions en moins et une économie absolument ravagée. Les vrais amis de l'Ukraine, et si la France avait voulu en faire partie, auraient déployé une force d'interposition des Nations Unies immédiatement, avant que le conflit ne s'envenime et avant que les Russes ne soient prêts à envahir,
Il aurait fallu bien sûr que l'Ukraine accepta, mais l'Ukraine ne pouvait pas accepter parce que Zelensky avait cru les États-Unis. Et les différents leaders ukrainiens qui se sont succédés entre 2014, que ce soit donc Poroshenko, jusqu'à Zelensky, n'étaient pas prêts à accepter, notamment sous l'influence de Blinken et de Nuland, une force d'interposition des États-Unis. Mais des diplomates ukrainiens, nationalistes, des diplomates absolument pas pro-russes, auraient été prêts à accepter ce genre de solution. Elle aurait évité la guerre en Ukraine. Elle aurait évité que l'Ukraine perde ses territoires, elle aurait évité une escalade nucléaire. Aujourd'hui, nous sommes très très proches d'une guerre nucléaire totale. Sur un malentendu, ça peut arriver. On doit s'attendre à des rétorsions massives des Russes sur le plan donc, du cyberespace ou bien sur le plan d'attaque terroriste voulu par le KGB, c'est tout à fait possible. Rappelons aussi que les attentats de Karachi avaient été une rétorsion des Pakistanais au fait que les rétrocommissions pour les ventes de sous-marins n'avaient pas été honorées avec les changements de gouvernement. Et là, on a eu des centaines de ressortissants français qui ont été assassinés. Il se peut aussi que les Russes ressortent de ce genre de rétorsion. Et tout cela aurait pu être évité. Si la France avait encore été la France, si elle avait été gaulliste, si elle avait eu un leadership diplomatique et géopolitique indépendant, une guerre nucléaire mondiale aurait pu être désescaladée en tout cas, et cette situation absolument désastreuse dans laquelle nous nous trouvons aurait pu être empêchée.